ça marcherait ou pas. Moi, au port, je pense au mouillage. T'as mis la crème solaire, toi? Donc c'est une barrière de corail. Je sais pas si c'est du corail ou si c'est des rochers. Mais en tout cas, ouais, il y a une barrière. Peut-être que je vais pas mettre ça. J'ai un peu mal aux yeux, non? Oh la star. Tu me déperds pas par contre, Robin. On dit quand il y a 30 mètres de chaîne dans l'eau. 30 mètres à l'eau! Avec la quadrope sous les courantes et tout. Ça te fait on un utilise pas, les données sous les gorgons. Il n'y a pas d'avocat. Du coup, la forme, du citron, etc. Tomate. Alors, elle va chercher sa tablette. Il manque la date. Mais surtout, il y a de plus en plus d'écritures sur ces fiches. Quoi. Juste par rapport au site, en fait, bon, c'est la pointe qui est là. On aurait pu plonger à gauche, à droite. En termes de pointe, c'est pareil. Par contre, un peu partout sur les cartes, notamment là où on est, il y a marqué bathymétrie incomplète. Donc, encore une fois, quand il n'y a pas beaucoup de fond, ça invite à la prudence. La zone profonde de cette plongée à la pointe nord de la Désirade s'avère un peu décevante. Il n'y a pas de forêt, probablement à cause des forts courants et de la houle. Sur le chemin du retour, une magnifique surprise nous attend. Un groupe de baleines croise notre route. Nous coupons les moteurs et elles passent toutes proches de nous. Vécu ça comme ça là. C'est une rencontre exceptionnelle et rare qui vient conclure cette première phase d'exploration de l'archipel. C'est pas des groupes, c'est des bancs. Elle,
elle se déplaçait vite, vous savez comment c'était? Ouais, ça allait vite. On est au pic des baleines. Et c'est le moment où il y en a le plus en Guadeloupe. Ça, c'est la pointe qu'on voit là. Là, t'as Basse-Terre avec le volcan. Mais elle est pas grande, la Guadeloupe. Bah si, c'est grand, mais ça, c'est une représentation, tu vois. Eh ouais mec, on n'est pas des rigolos, même sous la pluie, ça y va. On a terminé nos repérages scientifiques autour de la Guadeloupe, donc il est maintenant temps de démarrer l'étude scientifique d'une première forêt animale marine. La météo n'est pas très clémente, donc on décide de naviguer vers Basse-Terre. Plus précisément, on va mettre le voile à Malendur au mouillage pour démarrer l'étude d'une forêt de ce côté-là de l'île où on sera plus à l'abri.